C'est très simple. Vous avez parmi les élites africaines des gens qui ont choisi de trahir le continent africain. C'est une vieille tradition historique en Afrique. Il y a des gens qui sont noirs de peau, mais qui sont les ennemis du destin de l'Afrique. Il ne faut pas croire, et il suffit pour ça qu'on leur promette, qu'on les assure de les enrichir, elles et leurs familles. C'est le cas de M. Ouattara, si on parle de lui. Il n'est pas le premier, il n'inaugure pas cette tradition, mais c'est son cas particulièrement en Afrique. M. Ouattara incarne le projet de recolonisation du continent africain. J'ai dit ici qu'il est la plus grande catastrophe qui nous arrive depuis 50 ans. Depuis 6 ans, je le dis ici. Depuis 50 ans, ce monsieur est la plus grande catastrophe qui soit arrivée au continent africain. Parce qu'il est l'incarnation du projet de recolonisation. Pour la simple raison qu'on lui a garanti des richesses, lui et sa famille, il peut être milliardaire. Il a décidé de vendre le continent tout entier. Il est le pion, c'est-à-dire jamais un Africain n'est allé à ce niveau. Jamais. Parce que si nous considérons que les nouvelles générations aujourd'hui, nous avons assez plus de connaissances que les générations passées, alors on a affaire au plus grand traître de l'histoire de l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, si on veut parler de la fanfaronnade de ce monsieur, bon, on s'amuse, mais est-ce qu'on veut parler d'économie en Afrique? Est-ce qu'il y a une économie en Afrique? Parce que la condition de faire l'économie, c'est d'abord de vous libérer politiquement. C'est le béaba. Nulle part au monde on a vu une nation faire de l'économie alors qu'elle n'est pas libre politiquement. Quand vous n'êtes pas libre politiquement et on vous demande de faire l'économie, ça s'appelle l'esclavage. Vous ne travaillez pas pour vous. Le reste, ce sont des histoires à embêter les gens. On parle que il n'est pas possible de parler d'économie dans un pays africain. Tant qu'on n'est pas libre politiquement. Et comme on montre dans l'histoire, où est-ce qu'il y a eu l'inverse? Où les gens ont bâti une économie alors que politiquement ils ne sont pas libres. Donc on a affaire à une bande d'esclavagistes, de néocolons, de traîtres qui ont décidé qu'ils vont marcher sur le sol des Africains pour atteindre leurs objectifs. La vraie réponse à avoir, lui, c'est de savoir si est-ce que nous on tolère ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Voilà le débat. On parle de quelle monnaie unique? Mais vous êtes sérieux quoi? Quelle monnaie unique? Monnaie unique, c'est le nouveau nom du franc CFA, c'est tout. C'est le nouveau nom que la France peut donner au franc CFA, parce que la France a honte désormais. Nous avons démontré que c'est un État criminel, c'est un État, c'est le dernier empire colonial en plein 21e siècle, donc il faut maquiller la question du franc CFA. Parce que même les Allemands qui sont les partenaires disent que mais vous chiffonnez 400 milliards de dollars par an aux Africains. Chaque, non c'est pas moi par an, je crois, a dit, c'est pas moi par an. Par an. Bon, et ça c'est une sous-évaluation. Très sous-évaluation. Parce que ce que les Allemands prennent en compte n'a rien à voir avec toute la réalité du compte d'opération. Mais ils disent quand même que bon, vous siphonnez 400 milliards par an aux Africains. Même les Allemands le disent. Ça veut dire que même entre eux, ils disent que bon, ok, quand même c'est entre nous, mais comme toi, tu fais quand même trop fort. Tu fais quand même trop fort. Oui. Alors, pendant que nous, les Allemands, nous n'avons pas d'empire colonial, on compte quand même sur nous, mais toi, tu as un empire colonial en plein 21e siècle et tu as des avantages de 400 milliards de dollars par an que tu siphonnes. Donc ça pose quand même un problème. Il faut habiller ça. C'est tout, il faut habiller ça. C'est pour ça que la France était au premier plan pour tuer Kadhafi. Les gens savent, ils ont un agenda clair où ils vont. Première question qu'ils ont posée, liquidation de Laurent Gbagbo. Dans les conditions que l'on sait, ils ont fait de ce monsieur qui n'est pas ivoirien, qui a honte de son pays d'origine, il a honte de dire qu'il est burkinabé, il a honte d'être burkinabé, il s'est autoproclamé ivoirien, et on l'a placé par les voies que vous connaissez. J'ai jamais vu dans le monde un monsieur qu'on appelle Sarkozy, qui maintenant est un agent commercial de multinationale, c'est-à-dire on va faire un gangster, un voilou, un bandit de grand chemin, il s'est mis en Inde, il a dit qu'il donne 3 jours à Laurent Gbagbo de partir. Et on a vu l'armée française aller entrer dans un palais présidentiel. Lorsque les démarches ont fait le tour du monde, ils ont rapidement enlevé que c'est honteux. Bon, allez, mettons Guillaume Soro devant les autres pour dire que bon, ce sont les rebelles. Mais on les a vus, on a vu les soldats blancs français entrer au palais présidentiel pour enlever quelqu'un, pour placer ce monsieur. C'était pour vous, c'était pourquoi? On l'a mis là pourquoi selon vous? Pour vos beaux yeux, on l'a mis là pour détruire le continent africain. Et le but de la France, c'est de reconstituer son empire colonial. Parce que si elle perd ça, la France n'existe plus. Mais vous parlez de quoi? Mais c'est une affaire de vie ou de mort. Si la France perd son empire, elle n'existe plus. La France est en train de devenir un label. On y met tout n'importe quoi. La France met M. Macron président. Vous savez ce que ça veut dire, M. Macron? Il sort du poste de président. C'est Rothschild qui l'a mis là. Donc les gars, c'est une affaire de vie ou de mort. Tant qu'ils ne constituent pas leur empire colonial, la France n'existe plus. Eh bien, elle a mis sur une stratégie.
Elle a fait des alliances avec les Américains, mais le but est clair. On a tué Kadhafi. Quand Kadhafi était vivant, le roi du Maroc parlait. Arrêtez de dire que les gens avaient les histoires de colonies, ça n'existait pas en Afrique. Quand Kadhafi était vivant, le roi du Maroc parlait. Il ne parlait pas. Kadhafi nous disait que tu parlais, je vais te gifler. Il ne parlait pas. On a tué Kadhafi. Et dès qu'il est mort, qu'est-ce que vous faites? Subitement, le Maroc devient le pays le plus développé d'Afrique. Il a tellement d'argent que tous les pays africains. Et il devient le pays qui va sauver les Africains. Les Maroc ont toutes les solutions aux problèmes des Africains. Mais ça ne vous dit rien. Qui est derrière le Maroc? C'est pas la France? Vous voulez pas voir ça? La Tunisie, on l'a mis dans le paquet. Terminé. Donc l'Afrique du Nord est déjà dans le paquet de la France. Et on descend. On prend la CDAO. On a déjà le pion qui est là, M. Ouattara. Il a réussi à fédérer autour de lui d'autres pays. Il y a un géant qui est derrière qu'on appelle le Nigeria. Mais excusez-moi, c'est un géant obligé d'agir. On peut le déstabiliser. On va lui mettre la pression. Pour dire que la... Parce que dites-moi où M. Ouattara prend le culot de convoquer un réunion pour parler de monnaie unique alors que le Nigeria est là. Vous voyez, Ouattara, M. Ouattara prend pour le Nigeria. La Côte d'Ivoire, c'est qui? Tout à l'heure, M. Takunti vous a dit que oui. Lagos seul, c'est la Côte d'Ivoire 24 fois. Lagos seul. Oui. Mais le président de ce petit pays, comparativement parlant, avec Lagos, décide d'être à l'avant pour dire qu'il va imposer une monnaie unique. Après, il y a aussi le Ghana. Oh, laissez-moi ça. Vous avez dit que c'est des pays dans nos affaires qui sont développés. Vous allez voir. Si un pays est développé, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire de monnaie unique? Toi, tu as ta monnaie. Tu abandonnes ça. Tu viens dire que tu vas entrer dans une zone néocoloniale. Alors que tu es développé, laissez ça. Je vous ai dit ici que laissez ça. Laissez ça. Donc, vous avez une affaire géopolitique qui est bien construite. La France, pour maintenir son rang dans les nations, rang qu'elle ne mérite pas, parce que ce n'est que l'Afrique qui donne ce rang, elle a décidé que tant que la France doit être une puissance, vous les Africains, vous devez être des esclaves. C'est de cela qu'il s'agit. Alors cette monnaie unique, sans économie, de quoi est-ce qu'on parle? Prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne est dans les mains de qui? Des Ivoiriens. Vous êtes normaux ou quoi? Toute la richesse de l'économie ivoirienne est entre les mains d'abord des multinationales françaises, avec leurs amis américains. Mais c'est d'abord la France qui tient l'économie ivoirienne. Donc le projet de la France, c'est de faire que dans tous les pays de son précaré, il n'y ait pas d'économie. Que ce sont les multinationales françaises et leurs alliés qui dominent l'économie. De manière à ce que les populations soient réduites en esclavage, c'est ce qu'il faut dire. Messieurs, nous sommes dans le capitalisme. Le capitalisme, c'est quoi? C'est la ponction de l'énergie humaine pour enrichir le capital. C'est de cela qu'il s'agit. Et quand il est maintenant le capitalisme néocolonial, c'est plus grave, c'est l'esclavage. Donc le projet, c'est-à-dire la figure, l'idéal, le projet socio-économique que la France a réussi à implémenter en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'elle veut implémenter dans tous les pays de son précaré, sous le couvert de ce que vous appelez monnaie unique. Donc, Mandela Sike, vous n'avez pas, vous n'avez aucun contrôle de votre sol. Aucun contrôle de votre sol. Oui. Vous n'avez aucun contrôle de votre sous-sol. Vous n'avez même pas le contrôle de votre population. Vous ne savez même pas comment fixer les prix sur les marchés internationaux, la matière d'économie. Votre argent est à Paris, chez un pays qu'on appelle la France. Vous avez les bases militaires chez vous, partout, dans vos pays, même dans vos chambres. Vos présidents sont embrigadés dans des sectes où on les fait signer des pactes où on dit que la secte passe d'abord avant le pays. Et on vient fanfaronner un matin, les gens vont vous dire, on vous parle de monnaie unique. Dites-moi, montrez-moi les hommes manuels dans l'histoire. Laissez-moi, je vais terminer. Vous allez chuter. Oui. Dites-moi, Manuel, là dans l'histoire, où ça s'est passé comme on a envie de faire là en Afrique. Dites-moi où. Vous prenez l'Europe. La monnaie unique a été la fille, l'enfant des monnaies nationales. Ce sont les monnaies nationales qui sont décidées à devenir monnaie unique. Et ces monnaies nationales étaient les monnaies des pays souverains. Ouais. Des pays souverains. Qui ont décidé seuls, en toute souveraineté, de dire qu'OK, pour faire face à la globalisation ou bien à la multinationalisation des économies, nous créons une zone monétaire. C'était déjà des champions économiques ces pays-là. D'abord, tout avait pour la plupart des empires coloniaux. L'Angleterre, la France, tout ça, tout d'abord ça. Donc, c'était avoir des champions économiques. Mais nous, on nous fait croire qu'on peut brûler les étapes. On n'existait même pas comme pays d'abord. Et maintenant, on nous dit qu'on a, il faut sauter, faire de la monnaie unique. Et en maintenant le compte d'opération à Paris. Et vous avez quelqu'un qui vient fanfaronner parce qu'il prétend que l'économiste, il dit que c'est une bonne chose, c'est un projet. Moi, ce qui me réjouit, je termine par là, c'est quoi? C'est que
J'espère qu'avec cette situation, le Nigeria va se tourner vers la CEMAC pour bâtir ce qu'on appelle une ère économique de libération, ne serait-ce que sous-régionale. C'est ça qui me réjouit, que bon, maintenant que le Nigeria est déjà attaqué, parce que la France ne va pas s'arrêter là, elle est prête à déstabiliser le Nigeria, elle va s'allier de façon raisonnable avec la CEMAC pour construire une zone de libération du continent africain. Parce que le but est de descendre. Ils vont descendre, ils ne vont pas s'arrêter. Ouais. Pour l'instant, l'Afrique centrale existe, résiste. C'est pour ça que cette fanfaronnade-là ne peut pas se faire pour l'instant à l'Afrique centrale. Ah. Mais c'est une bonne chose que le Nigeria, maintenant, tape le point sur la table et dise à Paris, OK, pourquoi on a fait la marche, qu'on détruit d'abord le compte d'opération. Mais si vous demandez à Paris de le faire, vous demandez à Paris de boire la mer.